m'achever son terme. Elle ne mentira pas. Qui s'appelle Edwige? Who is Edwige? Tu ne t'appelles pas Edwige, reste assis. Je vais passer un autre nom. If you don't call you Edwige, sit. But if you are Edwige, l'Edwige que je vois dans mon esprit. The Edwige I see in my spirit. Est-ce que je peux prophétiser? Can I prophesy? L'Edwige que je vois, combien d'Edwige? How many Edwige do we have? Toi. You. Toi. Et toi. And you. Mais l'Edwige que je vois dans mon esprit. The Edwige I see in my spirit. Est-ce que je peux parler? Can I talk? Elle était avec un homme. She was with a man. Mais en ce moment, elle est sur le point de divorcer. She is about to divorce. Parce que c'est compliqué dans sa vie. It's very hard. Les deux, c'est qui? C'est toi qui divorce. Who is who? Viens, je vais t'expliquer quelque chose. I will explain something to you. Rapidement, sinon je prophétise plus sur toi. I prophesy. Je dois prêcher. I want to preach. Montre-moi tes mains. Show me your hand. Tape-moi ses mains. I want to hear. Donne-moi l'autre main. Give me your hand. Ok. Je te vois avec un homme. I see you with a man. Mais le monsieur n'est pas ici. He's not here. Il n'est pas ici. He's not here. Mais et le monsieur bishop. The le man. Monsieur a une blouse de médecine. Like a medical doctor. Ton mari travaille là-bas. You want to go there? Hein? Donne le micro si c'est you faux. Si c'est faux, tu dis, tu m'humilies devant non, tout le monde. Non, pas du tout. Je le fréquente depuis bientôt pas mal de temps. Mais regarde-moi. Dans la vision, le monsieur qui est avec toi en ce moment. C'est un homme qui a un très bon cœur. He has a good heart. Tu confirmes? C'est vrai. Mais le monsieur qui était avec toi. Oui. Je vois cet homme a fait des faits de pratique et il a envoûté les enfants. Tout à fait. Aujourd'hui, today, tes enfants sont libérés. Ton kid are free. Ma fille. Yes. L'esprit de Dieu commence par toi. The spirit of God starts. Vois-moi tout à l'heure. See me. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de cette femme bishop. I'll do in your life. Cet homme va être prospère. Le prospère. Cet homme-là, le niveau le monsieur qui est rentré dans sa vie. One. C'est un homme prospère. A prosperous man. Il s'appelle. Prospère. Oh. Je veux que tu acclames le Seigneur ici. I want you to clap. Il s'appelle prospère. Et je dis, il va être prospère. Je relâche la faveur sur Prosper et toi. Je déclare que tu ne choueras pas. Je déclare que tu réussiras. Et j'enlève ta vie, tes enfants, dans le vent du serpent. Le serpent qui avait avalé les enfants. Je déclare que ce serpent puisse vomir tes enfants. Au nom de Jésus, rentre dans ta dimension prophétique. Rentre dans ton miracle. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen ici. Bishop, ça c'est une autre dimension. It's another dimension. Je te révèle le code. I want to reveal the code to you. Merci. Donne-moi l'autre main. Give me the other hand. Hey, Bishop. Maman, ça va? How are you? Tu as un enfant qui va être folle. You have a child who wants to become a run man. L'enfant est tout dit. She's all disturbed. La sorcellerie a avalé l'enfant. Witchcraft l'enfant has swallowed. C'est une fille. It's a girl. Où est ta fille? Je vais where's your girl? I cannot pray for her. Je libère la guérison dans ta vie. I release the... Je déclare que tu ne seras plus jamais folle. Le Dieu du prophète commence à te restaurer. À partir de ce midi, je relâche la faveur. Sois guéri. 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 Relève-la. Dis avec moi Jésus. Comment? Dis Jésus. Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. C'est fait, acclame au Seigneur. Appelez-moi la maman. Hey! Don't look me. Give me the other hand. I saw him. I saw the death of your father. The day he died, you cried so much. Cried so much. You love him so much. But well, you know what I see? The Spirit showed me something. If I have to do it,
trois filles. At three girls. Tu as combien de filles? How many girls you have? Et je vois un garçon. One boy. Trois filles, un garçon. Maintenant, dans le monde de l'esprit. In the realm of the spirit. Donne-moi tes mains. Give me your hand. Oh my God, dans le monde de l'esprit. In the realm of the spirit. Je vois un garçon. I see a boy. Mais ce garçon là. That boy. Sera un prophète. He will be a prophet. Dieu va l'utiliser. God will use him. Le garçon n'est pas trop, il ne te suit pas trop. He doesn't follow you. C'est comme s'il est un peu dans les vapes. Like a, mais c'est un enfant. He's a child. Qui va beaucoup te bénir. He will bless you much. C'est bon de Dieu. Le précieux est caché dans le méprisable. Yeah. Cet enfant va te faire du bien. He will do good to you. Donne-moi tes mains. Oh my God. Je repars à la mort de ton père. I'm repairing the death of your father. Bishop, est-ce que je peux? Can I? Dans la vision, in the vision, cette femme, tu as tellement prié pour ton père. You pray for your father too much. Et si je te dis jusqu'à maintenant, tu es en deux. Even now, you are in the morning. Et tu as dit au jour de la mort de ton père. The day of your father, the death of your father. Tu vas laisser tes cheveux au vent. You will not let your wife, your hair to the children, tu the woman. Tu as coupé les cheveux. You cut off your voilà hair. Pourquoi tu as cette coiffe. That's why you have this hair. C'est comme si tu te souvenais de ton père. All day you remember your la father. La partie d'aujourd'hui. But today, go. J'enlève cette deuil. J'enlève cet œil. J'enlève cet œil. Venant du Gabon, je dis j'enlève cet œil. Servant de Dieu, j'enlève cet œil. J'enlève cet œil. J'enlève cet œil. J'enlève cet œil. Je dois aller dans la maison de cette femme, Bishop. I have to go in her house. Je veux mettre mes pieds chez toi. I have to go to her house. Je pars mardi. I go Tuesday. Mais il faut que je mette mes pieds dans ta maison. I have to go there. Parce que Dieu veut te faire du bien. God want to do good to you. On doit annuler la mort. We have to cancel death. On doit annuler la mort. We have to cancel death. Je dois jeter lui l'onction là-bas. Je dois consacrer ta maison. Consacrate your house. Tu comprends ça, servant de Dieu? Do you know what I'm saying? Tu es béni. You are blessed. Vois le prophète à la fin te dira ce que je fais. Mais il faut que je mette les pieds chez toi. I have to go there. C'est bon, prophète. It's good. Acclame le Seigneur. Clap for the Lord. Prends l'esprit. Je te vois te marier avec un blanc. Tu jasses. Dieu va élever ta voix dans Paris. 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 Le Seigneur comble ton cœur. Il comble ton cœur. Il comble ton cœur. Au nom de Jésus. Ton mariage est libéré, libéré, libéré. Libéré. Tu mérites le meilleur, ma fille. Tu mérites le meilleur. Que le Seigneur touche ta vie et touche le cœur de ton mari. Oui, le Seigneur me montre le cœur de ton mari. Je déclare que le projet, ce projet qu'il a, il est sur le point de réaliser, que ce projet vaille le jour. Que ce projet vaille le jour. Je prie, pendant que je prie pour toi, le Saint-Esprit commence à localiser la vie de ton mari. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je débloque ton mariage. I declare your marriage. Je débloque ton mariage. I unlock je débloque ton mariage. I unlock your je débloque ton mariage. I unlock your je débloque ton mariage. I unlock your je débloque ton mariage. I love your je débloque ton mariage. I unlock your je débloque ton mariage. I unlock your marriage. Hold there. Il y a assez de gloire. Il y a ma glory, hein? Tu as longtemps, tu as cherché la bénédiction dans cette ville. Je suis venu te donner les clés de Paris. Reçois les clés de cette ville. Reçois les clés. Tu ne vas pas courir après la bénédiction. La bénédiction va courir après toi. Attrape le monsieur. Hey, Dieu restaure tes reins. Restaure tes reins. Il restaure tes reins. Il restaure tes reins. Tu vas prêcher l'évangile dans ces lieux. J'ai dit tu vas prêcher l'évangile. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas prêcher l'évangile. Tu es un homme de Dieu. Homme de Dieu. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Ce matin, je prêche sur un thème. Après ma prédication, je vais praticaliser. Et quelque chose va se passer ce matin. Je prêche sur un thème. The blessing. Regarde celui qui est à côté, dit la bénédiction. Regarde l'autre qui est à côté, dit la bénédiction. Regarde à ta gauche, à ta droite, dit la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Quelqu'un dit la bénédiction. La bénédiction. Pendant que tu dis la bénédiction, je relâche sur toi la faveur au nom de Jésus. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es un sorcier. La qualité de ton Amen détermine la rapidité de ta bénédiction. La personne qui se lève et qui dit Amen commence à recevoir le miracle. Tu n'as pas dit Amen. Je parle sur la bénédiction.
I'm talking about blessing. La bénédiction, the blessing, faveur, this is a favor que Dieu te donne. God grant you. La bénédiction, the blessing, ce n'est pas la voiture. It's not a car. La bénédiction, the blessing, c'est pas la maison. It's not the house. La bénédiction, the blessing, c'est pas le tissage. It's not la bénédiction, the blessing, c'est pas voyager. It's not traveling. Alors c'est quoi la bénédiction? What is the blessing? La bénédiction, the blessing, c'est une parole, the word, prononcée par Dieu dans la vie d'un homme. The life of Je suis venu ce matin this morning, avec l'onction d'un caterpillar. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je suis venu avec l'onction d'un caterpillar. Et je suis venu relâcher la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, ce n'est pas la maison. La bénédiction, ce n'est pas la femme. Alors c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est une parole que l'Éternel a prononcée sur ta vie. Quand vous lisez Genèse, la Bible dit, Dieu l'a béni. Et Dieu dit, donc ça veut dire que la bénédiction, c'est pas le matériel, c'est une parole prononcée par un homme de Dieu dans ta vie. Je suis venu ce matin libérer une bénédiction. Je ne sais pas si c'est toi que je parle, mais je suis venu parler à 10 personnes. Je vous bénis ce matin au nom de Jésus. Je dis, je vous bénis ce matin au nom de Jésus. La personne qui dit Amen commence à vivre le miracle. Écoutez-moi très bien. Listen to me very nous well. Pouvons tous être à l'église, mais nous ne pouvons pas tous vivre la bénédiction. La bénédiction est pour des hommes sensibles. Je suis venu ce matin. Je le tiens ici. En tant que prophète, je te bénis. I bless you. Tu n'as pas dit Amen. Je dis, je te bénis. Amen, I bless you. Je bénis tes enfants. I bless your children. Je bénis ta maison. I bless your je bénis tes petits-enfants. I bless your je bénis ton travail. I bless your work. Je bénis tes activités. I bless your après ce culte, after this tu vas commencer à danser sans musique. You began to sing without music. Non, il y a des sorciers ici. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Je dis après ma bénédiction, after my blessing, après mon message, after my tu vas danser sans musique. You dance without music. Les gens sont encore assis. Je dis, tu vas danser sans musique. After you dance without music. Je suis venu pour la personne qu'on a méprisée. On t'a dit que tu ne peux pas te marier. On t'a dit que tu ne peux pas construire. On t'a dit que tu ne peux pas avoir les papiers. Je suis venu te donner les papiers. Et reçois la bénédiction. Je suis venu. Je suis venu dire à un homme que tu es bon. God is good. Hold on, sorry. Bishop, un homme, a man, a épousé une femme. Marry a woman. La femme elle était atteinte d'un cancer. She had a cancer. Le jour où il va enterrer sa femme, the day he went to bury a woman, il n'avait plus d'espoir. He was hopeless. Parce que sa femme était son appui. Because they were son père derrière son dos. The au moment où il allait enterrer la femme, where he went to bury the woman, le père a tapoté à son épaule. The father, le père ne l'a pas donné un grand message. Say, il n'a pas donné un grand message. Il n'a pas donné de grandes révélations. Il a seulement dit, tiens bon. Hold on. Et quand son père l'a dit ça, when the father said it, le monsieur a senti la force. Et je suis venu avec cette parole. Que les gens t'aiment ou pas, tiens bon. Que les gens te bénissent ou pas, tiens bon. Que les gens croient en toi ou pas, tiens bon. Que les gens soient avec toi ou pas, tiens bon. Je suis venu parler à cette église. Que les gens partent. Que les gens ne partent pas. Que les gens croient au prophète. Que les gens ne croient pas au prophète. Tiens bon. Même si tu n'es pas encore marié, tiens bon. Même si on ne te bénit pas, tiens bon. Hold on. Même si on se moque de cette église, tenez bon. Hold on. Écoute-moi très bien. Listen to me. Je ne t'ai jamais dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura toujours des pièges. Il y aura toujours l'obstacle. Mais tiens bon. Hold on. Et continue d'avancer. Et bon, tiens bon. Hold on. Et continue d'avancer. Tiens bon. Hold on. Et continue d'avancer. Tiens bon. Hold on. Et continue hold d'avancer. Hold on. Quelqu'un dit Amen ici. Somebody say amen. Je dis tiens bon papa tes hold affaires. On. Tiens-moi par rapport à tes enfants. Tiens-moi par rapport à ta vie. Hold on with truth. La vie te donnera des coups. Life can give you some push. Mais nous ne sommes pas des échecs. But we're not a failure. Nous ne sommes pas des perdants. We are not a failure. Nous ne sommes pas des lâches. We are not, nous ne sommes pas
des lâches, nous sommes des gagnants. Et les gagnants ne lâchent jamais. Tu ne vas pas lâcher. Tu vas avancer. Tu vas continuer à avancer. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Tu n'es pas un perdant. Tu es une championne. Tu es un champion. Je me tiens ici et je prophétise sur la vie de 10 personnes. Quelque chose commence à se passer dans ta vie. Viens avec moi, fire, ya 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 ya. Viens avec moi, fire, ya 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 ya. Oh. Bishop, la bénédiction. The blessing. La bénédiction. The blessing. C'est cette chose. Is that thing. La bénédiction. The blessing. C'est cette chose. That thing. Qui a quitté Abraham. Who left Abraham. Pour Jacques. For Isaac. La bénédiction. The blessing. C'est cette chose. That thing. Qui a quitté Isaac. Who left Isaac. Pour Jacob. Jacob. La bénédiction. The blessing. C'est cette chose. That thing. Qui a quitté Jacob. Let Jacob. C'est quoi la bénédiction? What is the blessing? C'est la parole de ton père sur toi. The word of your father. C'est quoi la bénédiction? What the blessing? C'est la parole du major sur ta destinée. The word of attention! Be careful. On ne méprise pas la bouche qui te bénit. You don't despise. Un homme de Dieu peut être faible. Mais dans sa faiblesse, il est plus fort. Écoute-moi bien. Listen to me. La bénédiction, the blessing, c'est la parole de ton père spirituel. The word of your spiritual father. La bénédiction, the blessing, c'est cette chose, that thing, qui a quitté who left Élie, Elijah, pour Élisée. For Elijah. La bénédiction, the blessing, c'est cette chose, that thing, qui a quitté Jésus, who left Jesus, pour les 12 disciples. For the 12 disciples. La bénédiction, the blessing, c'est cette chose, that thing, qui a quitté Moïse, who left Moses, pour Jésus. For Joshua. La bénédiction, the blessing, ça va de père en père. From God, from father, si le père est béni, even father, les blessed, enfants sont bénis. The children are blessed. Et si le père est prospère, les enfants sont prospères. Si le père est élégant, les enfants sont élégants. Pourquoi on attaque cette église? Pourquoi on attaque cette église? Parce que cette église porte une bénédiction. Voilà pourquoi le diable sait que pour arrêter cette église, il va créer la division. Il va créer la séparation. Mais Dieu te dit, tiens bon. I said, hold on. Tiens bon. Hold on. Tiens bon. Hold on. Tiens bon. Hold on. Tiens bon. Hold on. MLV, tiens bon. I said, hold on. Église ministère fontaine de la foi. Tiens bon. Hold on, MLV. Quand on insulte mon père ou pas, je tiens bon. Whether they insult my father or not, I hold on. On dit c'est une fausse église ou pas, je tiens bon. What happened? I hold on. Quand on dit c'est un faux prophète ou pas, je tiens bon. Say, false prophet, I hold on. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. Quand tu viens à l'église, when you come to church, tu ne viens pas pour l'homme de Dieu. You don't come for the man of mais God. Tu viens pour la vision. You come for the vision. L'homme de Dieu the man of God peut avoir les faiblesses. Can have a mais la vision de Dieu the vision n'a of God pas de faiblesse. Have any weakness. Je suis venu relâcher la bénédiction. I want to reap a blessing. Sur toutes les chantres fidèles de cette église, je me tiens ici, je relâche la bénédiction. Tu as vu ce que tu es en train de faire, Jolie? Je me tiens ici, je relâche la bénédiction. Sur tous les anciens, vous qui avez cru au major, je prends la grâce que Dieu m'a donnée, je relâche vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, si je parle à quelqu'un, donne un amen de fort. Oh, je veux que tu donnes un amen de fort. La bénédiction. The blessing. C'est une bénédiction. It's a blessing. C'est une parole. It's a word. D'un père. From a father. Prononcé sur son fils. Pronounced over his child. La bénédiction. The blessing. C'est une faveur. It's a favor. La bénédiction. The blessing. C'est une énergie. It's an energy. La bénédiction, c'est une grâce qui t'accompagne. Is a grace following you. Quand tu honores ton père et ta mère, when you honor your father, la pire des choses qui peut t'arriver, c'est la longévité. The longevity. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Une fille qui honore son père spirituel ne sera jamais confondue. You never be confused. Une fille qui respecte son père spirituel ne sera jamais derrière. Écoute-moi très bien. La fidélité d'un enfant de Dieu auprès de son père. La destinée prophétique sur le sommet. Oh, je sens les prophéties maintenant. I feel the prophecy now. Ce matin, j'ai envie de prêcher et pratiquer. Je prêche, je prophétise. I preach and I prophesy. Le ciel est ouvert ce matin. The heaven is open now. La bénédiction. The blessing. C'est une parole. Is a word. De ton père. Your father. La Bible dit que le père avait bu le vin. When he drank the wine.
the father. Et le père était sous. And when he was drunk. Et le fils a vu son père nu. The father, the son saw the father. Il est allé voir, il est allé appeler ses frères. He went to call his brothers. Venez voir le major. Come and see the major. Venez voir le prophète Steve. Come and see prophète. C'est un buveur de vin. He's a drunk. La Bible dit. Le, Baba le père s'est réveillé. He woke up. Parce qu'un père se réveille toujours. The father always wake up. Je dis un père se réveille toujours. The father always wake up. Tu peux insulter un père. You can insult parce qu'il est endormi. Parce qu'il est faible. Because mais un père the father se réveille. Wake up. Un père se réveille toujours. Il dit quand le père s'est réveillé. When he wake up. Qui m'a humilié? Who humiliated me? On dit c'est Sam. Il dit Sam. Il dit oh toi Sam. You come. Toi ma collaboratrice. You my toi mon collaborateur. You my toi qui rentrais dans ma chambre sans toquer. You went to my room without knocking. Est-ce que je peux parler? Am I talking? Mathieu. Yes. Est-ce que tu sais? Do you know that? Que Sam avait la grâce de rentrer dans la chambre de son père. He was having the grace to go into the bedroom of his father. Sans toquer la. Without knocking the door. Pendant que Sam avait la bonne relation avec son père. When he had a good relationship with his father. Les autres frères étaient jaloux de Sam. All the brothers were jealous. Quand tu es avec un père. When you have your father. Les autres ne sont pas contents. Others are not happy. Et ils attendent le jour où tu auras des problèmes avec ses pères. They are pour dire à ses pères, voici la fille que tu faisais confiance. Voici la fille à qui tu faisais confiance. Voici le fils à qui tu faisais confiance. Est-ce que je peux parler ce matin? Can I speak this ce matin, je n'ai peur de personne. I fear nobody. Je suis venu dire à cette église, la plus grande bénédiction, c'est la parole de ton père sur ta vie. Laisse les gens parler mal de ton père, mais toi ne parles jamais mal de ton père. Parce que la bénédiction, c'est la parole de ton père prononcée dans ta vie. In your life. Il n'a pas compris qu'il avait le privilège de rentrer dans la maison de son père. Il didn't understand that he was having a privilege. Quand tu as la capacité de rentrer dans la chambre de ton père. When you have the ability to go to the bedroom of your father. Sans toquer. Without knocking. C'est que tu es privilégié. It's a privilege. Mais malheureusement dans l'église. Unfortunately in the church. Dès que le pasteur commence à te taper comme ça. When the pastor begins to hit you alone. L'orgueil commence à monter. Pride begins to come. Je connais le major. I know the major. Il n'a rien. He have nothing. C'est un petit garçon. He's a small boy. La fois dernière je le vis en culotte. Garçon, tu ne sais pas que voir ton père en culotte est un privilège pour ta vie. You don't know that when you see me in a shortcut, is it? Le jour où tu te lèves contre ton père spirituel. The day you go against your spiritual father. Tu as tué ton futur. You have killed your future. Le jour où tu combats ton frère. The day you fight your brother. Tu combats ton futur. You are fighting against your future. Le jour où tu combats le sang. The day you fight your tu as combattu le futur. You fight against your future. La plus grande douleur d'un père. The most painful things. C'est quand deux enfants se battent. When the father and brother are fighting. Et que la parole d'un père n'est plus écoutée. And nobody can you listen to the father. La plus grande tragédie d'un homme. The tragedy of a man. C'est de bénéficier du cœur, de la largesse du cœur d'un homme. To receive the heart of the goodness of somebody. Et le laisser. And leave it like that. Sans imposer à ton cœur. Without tell to your heart. La loi de la reconnaissance. The law of gratefulness. Quand un homme te donne à boire. When somebody give you to drink. Avant de se moquer de son verre d'eau. Reconnais quand même qui t'a donné un verre d'eau. Est-ce que je parle aux aigles ce matin? Est-ce que je parle à cette église? S'il y a des hommes sages, lève-toi et acclame et pousse des cris de joie ici. Dis avec moi, fire, ya, 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 ya. Ta bénédiction. Dis-moi ça avec ta voix. La bénédiction. The blessing. C'est une parole. It's a word. Prononce par ton père spirituel. By your spiritual father. Quand ton père te dit, moi prophète Yvon. When your father said, me prophète. Je me tiens ici devant toi. I'm standing. Je te bénis. I bless you. Il n'y a pas un démon qui peut bloquer ça. There's no demon can stop it. Quel est le message que tu veux entendre, ministère de la foi vivante? Which message do you want to listen to? Voici le message que le ministère de la foi vivante doit entendre. This is the message you have to hear. Tiens bon. Hold on. Qu'importe ce que les gens disent. What are they saying? Tiens bon. Hold on. Qu'importe ce que les gens disent. It doesn't matter what they are saying. Les services sociaux. It doesn't matter what they are saying. Tiens bon. Hold on. Qu'importe ce que les gens diront sur ton père. It doesn't matter what people say about your father. Maman, quand tu approches un père. When you go near your father. Ton père n'a pas seulement des qualités. He doesn't only quality. Il a aussi des mauvais côtés. Il y a un shortcut. Le jour où ton père spirituel devient ton père spirituel, c'est le jour où tu découvres sa faiblesse. The day your father, your spiritual father, becomes your spiritual father, when you discover his weakness.
Le jour où ton père devient ton père, your father become your father. C'est le jour où tu découvres ses limites. You discover his shortcut, his limitation. Écoute-moi très bien. Listen to me. La faiblesse de ton père révélée à tes yeux. The weakness of your father revealed to your sight. C'est une tentation pour ton futur. Your temptation of your father, your future. Dieu permet à ce que ton père. God allow your father. Soit révélé tel qu'il est en face de to toi. To be revealed the way. Parce qu'il sait que tu as déjà la dimension pour supporter ça. Because you have a dimension to support. Oh, shame. Tu n'as pas compris pourquoi tu m'as vu nu. Well, you didn't understand why you saw me naked. Shame. Dieu t'a permis de voir ton père nu. God allowed you to see your father naked. Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas un autre enfant qui peut le protéger mieux que toi-même. No father can protect. Mais pourquoi toi, l'enfant, you le frère, the brother, le sang, the self, la soeur, the sister, le père, the father, la femme, the brother, tu te moques de la nudité de ton mari. Le jour d'une femme commence à prendre la nudité de son mari, révélez ça à l'église, révélez ça à ses parents, c'est qu'elle ne veut plus le mariage. Une femme ne doit jamais révéler la nudité de son mari chez ses parents, à l'église, parce qu'elle sait que la nudité de son mari, c'est une bénédiction. Le jour où ton grand frère, the day your senior brother, le jour où Dieu t'utilise, the day that God use you, a donné un conseil à ton grand frère, to give you advice to your brother, c'est que dans le monde spirituel, in the spiritual realm, tu as déjà une grande place dans sa vie. You have a great place in his life. Les faiblesses d'un père révélées, the weakness of a father revealed, est une bénédiction pour les enfants. Is a blessing for the children. Parce qu'au moins les enfants comprennent que c'est pas un dieu. Understand that he's not a God. C'est un homme, mais il a aussi des faiblesses. That is a man that un homme de Dieu qui n'a plus de faiblesses. The only God who doesn't have weakness. Il fait le fétiche. Je parle aux grands. I'm talking about great people. Mes messages sont lourds. My message are heavy. C'est ça mon problème. That is my problem. Jeune en âge. I have a, mais la tête là, je suis vieux. I'm young, but my the head is so heavy. Mon ami. My friend. Je fais le Facebook avec. I make a Facebook with my wife. Je voyage avec ma femme. I travel with my wife. Je prêche avec ma femme. I preach with my wife. Je dors avec ma femme. I sleep with my wife. Je me réveille avec ma femme. I wake up with my wife. Mon épouse est mon premier disciple. And my wife is my first disciple. Tu peux influencer l'église. You can influence the church. Si ta femme n'est pas influencée. If your wife is not influenced. Tu peux bien prêcher à l'église. You can preach with the white church. Si ta femme ne dit pas amen à ta prédication. If your father didn't say, your wife didn't say amen. Tu es menteur. You are a liar. Parce que la force de ton message est jugée par la dimension de l'amen, alléluia, de ta femme. It's judged by the amen of your wife. Le jour où tu vois la nudité de ton père. The day you saw the nakedness of your father. C'est pas toutes les filles qui voient la nudité d'un père. It's not all the girls who saw the nakedness of a father. C'est quoi la nudité d'un père? What the nakedness of a father? La faiblesse d'un père. The weakness when he's weak. The mistakes. Le manque de sagesse d'un père. The lack of wisdom of the father. Écoute-moi bien. Listen to me. Moïse, Moses, et Aaron, and Aaron. Soutenez le nom de Moïse. Supporter. Aaron. Aaron. Et qui? Et Josué. And Hur. Non. Et Hur. Soutenez le nom de Moïse. Support the hand of Moses. Mais quand tu soutiens le nom de Moïse, where support the hand of Moses? S'il a les aisselles qui sentent mauvais. Even if you have a ampi to aspect. Le peuple ne va pas sentir ça. You will not qui va sentir ce sel? C'est le collaborateur. Et j'ai compris que le plus souvent, most of les gens qui font partie des gens de l'église, don't know, like, ce n'est pas le peuple. Le peuple n'a pas les problèmes. Le peuple ne sent pas l'odeur. C'est le collaborateur qui dit, hey, pendant que je soulève les mains, ces essais sentent mauvais. Quittez l'église. Quittez cette église. Les essais sentent mauvais. C'est pas un bon prophète. C'est pas un bon major. Il nous trompe, c'est un voleur. Moi-même, j'étais à côté de lui. Monsieur. Monsieur. Mister. Qui a senti l'odeur de cet homme? Qui a vu les faiblesses de cet homme? Qui sait que c'est un mauvais prophète? Who is the wrong prophet? Ce n'est pas nous le peuple. Not we people. Hey, mais ce reste là. Restez là-bas. Stay there. Vous deux, restez. Ce n'est pas nous le peuple. Not you people. Nous sommes ignorants. We are ignorant. Vous faites votre affaire devant. You are doing your business. Maintenant vous quittez là-bas. When vous venez nous dire c'est un mauvais prophète. C'est un mauvais prophète. On est avec vous. Where we with you? Si quelqu'un est à côté du prophète, if somebody were near a prophet, c'est pas un bon prophète. He said he's not a good prophet. Il est le seul qui a senti l'odeur. He's the only one who smelled the armpit. Nous n'étions pas là. But you were not there. Aimez votre pasteur. Love your pastor. Quelle est la plus grande bénédiction que je peux vous donner? What the blessing? Which kind of great blessing I can give you? Soutenir votre père. Support your father. Quel message je vais donner? Which message am I going to give? Tu deviendras.
You will be. Tu réussiras. You shall succeed. Tu monteras. You shall climb. Si tu ne soutiens pas ton père, if you don't support quelle your father, montée tu vas voir. Weak name, voilà le again. Grand message que vous, voulez, message. Pouvez, vous devez entendre. You got to hear. Soutenir le prophète Yvon Okia pour qu'il devienne plus fort à Paris. So le prophète a des mamans ici. Il a des papas ici. Il a des enfants ici. Faisons en sorte que le nom du prophète devienne incontournable ici à Paris. Unshakable. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle m'achevait son terme. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde.